Bonjour, je vous propose une tarte normande. Donc pour faire la tarte normande, il vous faut 4 œufs, 250 g de crème fraîche épaisse, 100 g de sucre, 2 g de cannelle, 3 à 4 pommes et 3 centilitres de calvados. Il vous faut aussi un rouleau de pâte sablée. On va commencer par éplucher les pommes, les couper en gros morceaux de 2 cm sur 2 cm à peu près, et de mettre notre fond de tarte dans notre plat. Donc j'ai épluché mes pommes, je vais mettre ma pâte sablée dans mon fond de plat à tarte. Là, voilà. Alors, n'hésitez pas quand même à sortir les pâtes toutes prêtes comme ça, au moins 5 minutes avant du réfrigérateur. Comme ça vous permet de la dérouler sans les casser. Si elles sont trop froides, on les casse, elles collent, c'est une catastrophe. Donc voilà, là j'ai mis ma pâte. Mon réflexe, hein, c'est de la piquer automatiquement. Alors je sais pas si la pâte sablée, il faut la piquer ou pas, mais je pique toutes mes pâtes. On met les gros morceaux de pommes par-dessus. Donc on les étale bien. On réserve sur le côté. Pendant ce temps, nous allons prendre un saladier. On va casser les œufs. Donc on casse les œufs en premier pour éviter d'avoir de la coquille de partout. On va mettre le sucre. On va tourner. Donc là, on tourne bien. On va rajouter la crème intégralement, les 250 ml. Là, on rebat. On va ajouter la demi-cuillère de cannelle. Et surtout, on va ajouter le calvados. Et on va retourner. Quand on a tout mélangé la crème, on prend notre fond de tarte où on a mis les pommes. On met la garniture. Voilà. On a fait préchauffer notre four à 200 degrés. Et là, on va enfourner pendant 30 minutes notre tarte. Et voilà ma tarte normande, tout juste sortie du four. Je vais la laisser refroidir et je dresserai mon assiette. Et voilà, ma tarte normande est prête à être dégustée. Bon appétit!